Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors vidéo un peu spéciale, puisque donc vous voyez le titre Café Échec. Alors c'est une nouvelle série que je commence, je sais pas du tout combien il y aura d'épisodes à l'intérieur. L'idée ça peut être de parler de différentes choses, il n'y aura pas forcément de diagramme dans cette série, peut-être un de temps en temps. J'aime bien le format de chess.com qui font je crois le lundi, qui s'appelle le Chess Center. Où ils parlent un peu de différentes choses, comme ça ils discutent. Bon, évidemment, ils ont une réalisation professionnelle, ils ont différentes personnes qui interviennent, un peu comme un journal télévisé, des interviews, des chroniqueurs en quelque sorte. Puis ils ont de belles illustrations, etc. Bon, ici c'est peu clair qu'il y aurait beaucoup d'illustrations et puis d'intervenants, etc. Mais voilà, je commence ça. Alors, notamment, cette première vidéo. Par la suite, peut-être ça parlera plus de l'actualité, notamment. Mais cette première vidéo, qui a une source un peu spéciale, il y a une source négative. Voilà. Des commentaires négatifs sur les vidéos YouTube, et notamment il y en a eu récemment. Et à force, à force, à force, ça fait longtemps hein, qu'il y a des commentaires comme ça, un peu régulièrement, voilà, plus ou moins néfastes. Et bon, donc, au final, on dit, on fait avec, ça fait partie du truc, voilà. Mais à force, franchement, c'est un moment, t'as le goutte d'eau, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et juste, voilà, t'en as un peu marre. Donc, voilà un peu la source de cette vidéo. Et donc, je vais développer un petit peu certaines thématiques qui, j'espère, vont permettre à certaines personnes de mieux comprendre différentes choses. À ceux qui les comprenaient déjà, ben pourquoi pas de renforcer leur compréhension, de la compléter. Voilà, et l'idée c'est de faire une vidéo positive pour contrer un peu ces choses négatives. Allez, on y va. Donc, il y aura des petits points comme ça qui vont s'afficher et sur lesquels je vais expliquer certaines choses. Donc, eh bien déjà, la chose super positive de cette vidéo, et je l'ai mis dans le titre, hein, parce que je voulais quand même insister vraiment sur cet élément qui fait très plaisir, c'est que le travail finit toujours par payer. Bon, aux échecs, comme dans la vie en général, hein, ça c'est quand même, on est content que ça se vérifie de temps en temps. Heureusement, ça se vérifie de temps en temps, parce que parfois on bosse, on bosse, on bosse, et puis on voit pas forcément les fruits, on n'en voit pas forcément les fruits. Et donc voilà, deux exemples bah, très récents, puisque c'était il y a seulement 2-3 jours, nous ont été offerts. Tout d'abord par Blitzstream, voilà. Donc un spécial coup de chapeau à Kevin qui a fait le Titled Tuesday mardi sur chess.com comme à son habitude depuis 2 ans, je crois. Donc tous les mois, le tournoi des joueurs titrés de chess.com avec plein de grands maîtres qui jouent, y compris certains des meilleurs joueurs mondiaux. Et il y avait Carlsen dans ce tournoi qui l'a joué de temps en temps depuis quelques mois, voilà. Et puis, bon, bien sûr, le rêve de Kevin, c'était d'affronter Carlsen. Ce qui est extrêmement dur parce qu'il faut être dans les premières places, avoir un super score, donc battre déjà plusieurs joueurs titrés avant, très fort, y compris des grands maîtres. Et donc, c'est déjà super dur de pouvoir avoir la chance d'être apparié contre Carlsen. Et donc, c'était un peu son objectif. Enfin, s'il avait été juste apparié contre Carlsen, il aurait été juste déjà super content, il aurait réussi sa soirée, clairement. Et alors il était en rush, il était en vacances aussi, donc il était plus détendu, il a pu jouer un peu plus. Voilà, ça tombe en 3 minutes plus 2 secondes par contre, un tournoi de blitz. Donc bon, surtout pour s'amuser, hein. Et puis la qualité de jeu n'est pas forcément au rendez-vous. Hein. Et bon, au final, après moult rondes et avoir été en tête, et avoir battu au moins 2 grands maîtres, peut-être plusieurs, peut-être d'autres. Il se fait apparier contre Carlsen à l'avant-dernière ronde. Donc fantastique, comme un dingue. Et donc pour la suite, bah, je vous invite à aller voir sa vidéo qui a été publiée. Voilà, je la mettrai dans la description. Vidéo très sympathique. Et ça fait vraiment plaisir qu'il ait réussi à obtenir un résultat. Je vous en dis pas plus. Et c'est la preuve de quoi que le travail, ça fait parfait. Parce que Kevin, le travail qu'il fait. Je sais pas si vous vous rendez trop compte, mais ça fait un peu plus de 2 ans qu'il fait des vidéos, bon, et dont la plupart, comme vous l'avez remarqué, sont construites, préparées
à l'avance. Donc comme il vous l'a dit de temps en temps, parce qu'il est assez modeste aussi, donc il ne le répète pas à chaque fois, mais une vidéo c'est entre 2 et 3 heures de préparation en général, en moyenne. Parce que pour pouvoir présenter quelque chose de manière claire au niveau d'une partie d'échecs, il vaut mieux préparer avant. Parce que même si par exemple on est un très fort grand maître et qu'on nous donne une partie comme ça qu'on n'a pas préparée, on va pouvoir expliquer des choses, certes, mais alors pour que ça soit expliqué de manière très limpide et qu'on soit sûr de ce qu'on dit, ben même un très fort grand maître, ça ne sera pas le cas. Donc voilà, ça demande de la préparation, encore plus au final pour des joueurs un peu moins forts que grand maître, ce qui est notre cas par exemple. Et donc voilà, beaucoup de préparation. Et alors, ben, il a fait, je ne sais pas combien il a fait de vidéos sur sa chaîne, mais c'est quelque chose comme 200, 300, 400 vidéos. Alors certes, à l'intérieur, il y a quelques sessions de jeu, mais au niveau des sessions qui sont préparées, qui me demandaient 2-3 heures de préparation, ben, il y en avait sans doute environ 200, je sais pas, voilà. Donc vous multipliez 200, multiplié par 3 heures, ça vous fait 600 heures par exemple. Bon, là je donne des ordres de grandeur, je sais pas les vraies valeurs, ça se trouve il a passé 1000 heures, voilà, je dis 600, peut-être c'est 800, peut-être c'est 1000. Nombre d'heures de travailler les échecs, en général, hein, donc, et travailler la pédagogie aussi aux échecs, pour pouvoir présenter des choses. Quand tu travailles autant d'heures les échecs, forcément, à un moment, petit à petit, bah, tu comprends mieux les échecs. Et même au final, dans des blitz, tu peux parfois jouer mieux. C'est difficile à quantifier, etc. Mais voilà. Et donc, à la fin, bah, le travail finit par payer. Petit résultat contre le champion du monde, Magnus Carlsen, ça fait plaisir. Ensuite, Chessemi qui tient une chaîne aussi, contre qui j'avais fait une partie d'entraînement il y a quelques mois, et j'en ai refait une mardi. On a joué en 1h plus 30 secondes par coup, donc partie sérieuse, cadence homologuée FIDE, bien sûr sur la partie amicale non homologuée, voilà, pour le plaisir, pour l'entraînement. Et il a gagné. Voilà, donc on a joué ben, au bout du temps, on était en Z-Note tous les deux à la fin de la partie, partie compliquée qui a duré longtemps. Et à la fin, il a gagné. Il a publié ses vidéos. Et alors là, t'as des gens qui commencent à dire c'est pas normal, c'est bizarre, je sais pas quoi. Déjà, il avait publié une vidéo tout à fait normale où il gagne une partie semi-rapide contre un joueur sur le site. Et les gens étaient là, oh, il a triché, il a trop bien joué, la partie est parfaite, je sais pas quoi. Ok, donc c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo aussi, pour mettre des choses au point, parce que là, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui ne comprennent pas comment les choses fonctionnent. Donc il faut leur expliquer. Voilà, donc c'est ce que je vais développer un peu plus tard. Mais voilà, déjà tout simplement, dans cette partie, Chessemi, il a gagné, il a joué à la loyale, il a commenté ses coups, et il a très bien expliqué certaines... réflexion qu'il a eu dans la partie, il a aussi très bien expliqué qu'il a eu de la réussite dans la partie, il en est tout à fait conscient, il l'a dit lui-même, il a expliqué que là il n'était pas content parce qu'il n'avait pas vu ce coup, que là il avait eu de la chance parce qu'il avait joué alors qu'il lui restait une seule seconde, il a joué le seul coup gagnant avec une seconde à la pendule, donc voilà, il a tout expliqué, tout est clair, je veux dire, faut juste prendre du temps pour regarder, écouter, se poser minimum de questions et on comprend que la partie est normale, voilà. Et je vais expliquer d'autres choses sur le fait qu'un joueur qui, effectivement, en niveau est moins fort qu'un autre, puisse, pourquoi pas, le battre de temps en temps. Je veux dire, c'est une chose normale. Voilà, donc en tout cas, ça fait plaisir. C'est les deux derniers points que j'ai mis sur l'écran. Tous les deux, Blitzstream et Chessamy, ils dégagent une grande passion des échecs et ils vous donnent beaucoup en partageant leurs vidéos. Et ils sont récompensés par des petits résultats sympathiques cette semaine, voilà. Et ce n'est que justice, je veux dire, les personnes qui passent beaucoup de temps à travailler les échecs. Je veux dire, allez voir si vous ne les avez pas vus, les comptes rendus d'entraînement, les bilans d'entraînement de Chessamy sur sa chaîne, vous allez comprendre que il s'est investi de manière régulière, quotidienne et méthodique pour son entraînement depuis déjà plus d'un an, je crois, peut-être un an et demi. Donc, je sais pas, imaginez juste quelqu'un qui s'entraîne aux échecs tous les jours de manière méthodique, organisée, qui fait des bilans, qui essaie de progresser aux échecs et qui avait déjà des très bonnes connaissances à la base. Bon, ben, à un moment, je veux dire, c'est juste normal
qu'il puisse gagner un maître vide. C'est normal, pour vous peut-être c'est de la science-fiction, mais ça c'est la réalité normale, voilà. En ayant eu de la réussite sur la partie, voilà, etc. Il y a des circonstances, différentes choses, mais c'est normal, rien de spécial. Voilà. Et je peux d'autant plus vous le dire que j'étais en face, donc la partie était, voilà. Tout est limpide, il y a pas de mystère dans cette partie. Voilà, bon ça c'était déjà le premier point. Allez, on enchaîne avec le deuxième, c'est que la vidéo ne fasse pas des heures et des heures. Donc, quelques stops, hein, quelques stops à mettre à certaines personnes, alors évidemment, heureusement, qui sont minoritaires, mais qui malheureusement polluent la majorité. Mais donc, c'est pour ça un peu que je fais cette vidéo. Donc, trois stops à mettre. Donc, le premier, c'est stop à la priorisation du résultat. Ah oui, j'avais mis prioriser le résultat, donc ça s'est pas modifié. Donc, bah, allez, on va corriger ça. Priorisation du résultat. Tac. Voilà. Donc les gens, ils regardent si ça a été gagné ou pas. Ou si ça a été nul ou pas. Et à la limite, ils s'en fichent du reste. C'est n'importe quoi. Les échecs, heureusement, c'est pas juste t'as gagné ou t'as perdu. Je veux dire, encore heureux, quoi. Sinon, c'est un truc très pauvre. C'est... T'arrives, tu gagnes, tu perds, tu t'en vas. C'est tout. Non, c'est pas ça, heureusement. Donc déjà, en premier, j'ai mis le plaisir du jeu. On est là pour ça, quand même, à la base. Si on se fait pas plaisir, j'espère qu'on va chercher plutôt autre chose à faire à la place, quoi. Donc tous ceux qui se font pas plaisir, si vous m'écoutez, cherchez autre chose. Si vous faites pas plaisir en écoutant les vidéos, arrêtez de les regarder. Si ça vous fait du mal, c'est mieux pour vous de regarder autre chose. Voilà, vous passez votre chemin, vous allez regarder d'autres... choses qui vous intéresseront plus, qui vous feront peut-être plaisir. Si ou ça vous fait pas plaisir, ciao. Donc le plaisir du jeu, voilà, le plaisir de faire une belle combinaison, de faire une belle attaque de maths, le plaisir aussi que l'adversaire fasse des coups inattendus qui peuvent nous mettre en difficulté, le plaisir du jeu quand il y a un retournement dans la partie, ça s'est produit dans la partie contre Chessémi, moi-même j'étais en train de perdre, mais j'étais content du déroulement assez inattendu et vraiment beau de la variante, quoi. Donc la perf et le résultat, bon, c'est une chose, mais quand même à la base on est là pour se faire plaisir. Voilà, le plaisir de faire un beau plan stratégique, de jouer une belle finale, enfin c'est infini, quoi. Donc c'est quand même la base du truc, bon. Et après voilà, deuxième point. Un joueur a le droit de bien jouer aux échecs. Il a le droit. Ce n'est pas interdit. Donc, il peut sur une partie bien jouer et gagner, quoi. Mais même sur plusieurs parties. Je veux dire, je me rappelle d'une joueuse championnat d'Europe individuelle qui fait 5 sur 5, quelque chose comme ça. Elle était de 2300, il y avait de 2400, de 2500 aussi dans le championnat. Et alors, t'as des joueuses qui montent une fronde, une pétition, elle triche. Parce qu'elle a fait 5 sur 5. Donc genre, c'est impossible de faire 5 sur 5 quand t'es 2300 et que tu joues une moyenne à... Je sais pas, sa moyenne, elle était peut-être à 2003 ou 2004. Bon, ben, à un moment, t'es en forme, tu peux faire des résultats à la suite, quoi. Bon. Donc, il n'y a pas que le résultat. Il y a un joueur a le droit de bien jouer. Alors peut-être je l'ai mis après d'ailleurs. Je l'ai mis là, je l'ai remis après. Voilà. Donc juste, c'est bien de le mettre deux fois. Le joueur, il a le droit de bien jouer. Imaginez, s'il n'a pas le droit de bien jouer. Il n'a pas le droit de faire une perf. T'as pas le droit de faire une perf. Alors t'arrives, t'es débutant, tu viens d'apprendre les échecs. T'arrives, mais t'as pas le droit de gagner. Alors les mecs que tu vas affronter, donc ben, ils sont pas débutants, mais bon, du coup, tu dois perdre à chaque fois. Donc tu perds toutes tes parties, tu gagnes zéro partie. Donc tu progresses pas, voilà, tu restes débutant. Génial. Non mais heureusement, tout n'est pas figé, quoi. Heureusement, un mec plus fort peut perdre contre un mec moins fort. Sinon, le mec moins fort devient jamais plus fort et tous les joueurs restent à la même place, quoi. Donc, on fige le classement mondial, plus personne bouge. Fantastique, quoi. Bon, troisième point, comprendre le contenu d'une partie. Ouais, faut quand même essayer de voir un peu plus loin que le bout de la lorgnette. Un peu plus loin que le bout de son nez. Je veux dire, le mec a peut-être gagné et peut-être il était complètement foutu. Donc c'est pas la peine de dire ah oh, il a gagné ta ta ta. Attends, il était foutu déjà premièrement. Donc bon, calme-toi sur son niveau de jeu, il était foutu. Donc regarde la partie quand même, un tout petit peu, je veux dire. Même si tu comprends pas les échecs, tu peux regarder déjà, tu peux te faire aider par des modules. Si tu vois que l'évaluation elle fait comme ça, bon bah tu dis ok, le mec à un moment il était bien, après il était mal, après il était bien, après il était mal, finalement il a gagné. Bon, ça aurait pu être le contraire quoi. Le mec était deux fois mal. Il aurait pu perdre, non? Bon, un peu de... Faut relativiser un minimum, quoi.
Et enfin, la progression globale du joueur. Donc, le résultat, c'est une chose, mais parfois, il vaut mieux gagner, il vaut mieux perdre une partie en ayant bien joué que gagner une partie en ayant mal joué. C'est-à-dire, un joueur, à la base, son but, c'est progresser. Progression, c'est un terme que je vais réutiliser tout à l'heure. Ça, c'est important de se dire quand même, on veut essayer de progresser aux échecs. Bon, tout à l'heure, je parlais de Blitzstream et de Chessamy qui ont progressé au fil du temps à force de travailler les échecs. Voilà, un bon exemple à prendre. Hein. Inspirez-vous plutôt de ce qu'ils font. Je sais que pour certains, c'est pas évident que certains puissent bosser les échecs. Il y en a qui bossent les échecs et ils en récoltent les fruits. Eh oui, incroyable, fascinant. Voilà, mais plutôt inspirez-vous au lieu de dire c'est impossible, je sais pas quoi. C'est une super source d'inspiration, quoi. C'est, je veux dire, même pour moi, c'est une super source d'inspiration. Je vois les mecs qui bossent et ils en récoltent les fruits. Génial, quoi. Oui, donc la progression globale du joueur, c'est plus important que le résultat instantané, quoi. Ça me fait penser un peu aux équipes de foot, hein, quand ils perdent 4 matchs et ils virent l'entraîneur. Bon, peut-être que pendant ces 4 matchs, l'entraîneur était en train de mettre des choses en place qui auraient payé au match numéro 5, 6, 7, 8, 9. Bon, tu l'as viré, bon, bravo, voilà, tu pourras pas voir les résultats de ce qu'il a fait. On va voir si ça se produit à Lille, hein. Il y a Bielsa qui. Ou Bielsa, je sais pas exactement comment on prononce, qui met des choses en place en perdant beaucoup de matchs. Bon, si ça se trouve, à un moment, ils vont gagner plein de matchs à la suite. Voilà, c'est ce qu'on peut espérer. Ok, on enchaîne. Stop à la suspicion systématique. Bon, ça c'est le pire. Hein. Ça c'est le pire, c'est les gens, dès qu'ils voient une perf, ils disent, oh non, le mec a triché. C'est bon quoi, t'as le droit de faire une perf aux échecs. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. Si on n'a pas le droit de faire une perf, bon ok, le classement mondial est figé. Il ne se passe rien. Dès qu'un mec est plus fort, il gagne. Dès qu'un mec est moins fort, il perd. Fantastique pour le suspense. Fantastique. Bon, alors premièrement, le respect. Bon, ça aussi, c'est un mot important de la vidéo quand même, parce que. Respectez les gens. En plus, ceux qui vous donnent du contenu gratuit, quoi. Ils vous donnent du contenu gratuit. Ils passent de leur temps. Vous, vous payez rien. Vous avez du contenu d'un passionné construit. Il a passé du temps à construire sa vidéo. C'est gratuit. Vous pouvez profiter. Et vous? Vous suspectez de triche des trucs. C'est abusé quoi. Donc, d'autant plus. Alors, déjà en général, n'importe quel joueur, vous respectez. À la base, vous respectez. Voilà, c'est le deuxième point. Présomption d'honnêteté. Vous savez pas, vous savez pas. Commencez pas à croire que vous savez si vous ne savez pas. Si vous n'avez pas de preuves, vous n'avez pas de preuves. Voilà, donc vous pouvez vous poser des questions, vous pouvez. Poser des questions, voilà, tranquillement. Dire, je me pose cette question, qu'est-ce que vous en pensez? Mais discutez avec les gens au lieu d'asséner des trucs comme ça. Discutez avec des différentes personnes, ils vont vous renseigner, voilà. Pas asséner les trucs tout seul. Et quand quelqu'un suspecte, demandez-vous aussi, lui, il se base sur quoi? S'il se base sur rien, ne le suivez pas. Il se base sur rien et vous le suivez. Non. Les gens se suivent entre eux après. Ah ouais, il dit qu'il triche, sans doute, il triche. Sans doute de quoi? C'est quoi les preuves? C'est quoi les arguments? Des vrais trucs, que des trucs concrets. Bon, et voilà, le joueur a le droit de bien jouer. C'est pas parce qu'il a 500 points à l'eau de moins, il gagne, ou 500 points à l'eau de moins, il fait nul, que forcément, c'est pas clair, quoi. Oui, aux échecs, ça arrive souvent. Ok, mais comprendre les statistiques. Regardez, c'est deux points plus bas, j'ai mis. Comprendre les statistiques. S'il y a 200 points d'écart entre deux joueurs, bon le joueur qui a 200 points de plus, il doit marquer 75% et l'autre il doit marquer 25%. Bon ça veut dire quoi? Sur 4 parties, le mec va faire un point quoi, donc soit il va faire de nul ou il va gagner une fois. Il a 200 points de moins, il a 200 points de moins, c'est la vie, mais statistiquement il va gagner de temps en temps, il va faire nul de temps en temps. Voilà, il est un peu moins fort, bon il est un peu moins fort, et heureusement pour lui, il a le droit de gagner. En plus, regardez, point numéro 4. Tenir compte de la forme et de la réussite. Parce qu'il n'y a pas que le résultat, c'est déjà que je l'ai dit avant, mais le mec plus fort peut être moins en forme et le mec moins fort plus en forme. Bon, ça nivelle le niveau, quoi. C'est peut-être ça devient du 50-50, tu vois. Le mec qui n'est pas en forme, l'autre est en forme, ça inverse le truc, quoi. C'est ça le sport aussi. Il y a la forme du moment. Des fois, il y a des joueurs qui sont en super bonne condition. Ils peuvent aussi enchaîner les victoires. Ils peuvent être plus en confiance.
le mec plus fort peut être moins en confiance parce qu'il enchaînait les défaites ou quoi, ou pour d'autres éléments extra sportifs, enfin, c'est infini les variations de forme, les raisons de variation de forme. Et la réussite, et encore une fois, regardez les parties, des fois t'as vachement de réussite sur un résultat. T'étais complètement foutu et tu gagnes. Et alors le mec vient de te dire que t'as triché. Non mais c'est juste incroyable quoi. J'étais foutu toute la partie. Et à la fin, j'ai gagné par un coup de réussite incroyable, un coup de chance. Même il peut sur Internet, en plus, il peut y avoir des glissements de souris, des trucs comme ça, des déconnexions. Vous imaginez pas les trucs quoi. Donc déjà ça, voilà, premièrement, des éléments complètement qui n'ont pas de rapport avec le niveau de jeu. Et puis même au niveau de jeu, veux dire dans le jeu, c'est tellement dur. Tu te trompes sur le moindre coup. Je sais pas, tu laisses ta pièce une case à côté. Mais pas en se trompant avec la souris, hein. Juste tu sais pas trop sur quelle case aller, tu vas sur la case d'à côté, ah oh mince, c'était pas la bonne, tu te prends une tactique, tu perds. Bon ben franchement, c'est très aléatoire quelque part comme jeu, hein. Les gens disent il n'y a pas de chance, il n'y a pas de chance. C'est des débats. Et on voit que y a beaucoup de situations où, je sais pas, les deux joueurs calculent 10 coups, par exemple, les mêmes coups, ils calculent tous les deux les 10 coups de la variante, et puis bam, au 11e, il y a un coup de massue qui fait qu'un des deux joueurs gagne. Bon bah, ben, aucun des deux a pu le prévoir. Enfin, disons qu'aucun des deux l'a prévu. Bon, bah, celui pour qui c'est favorable, forcément, il a eu un coup de chance. Voilà, ça fait partie du jeu. On sait que c'est comme ça. Évidemment, c'est pas la part la plus prépondérante du jeu, mais c'est à l'intérieur du jeu. Et on peut pas le nier, quoi. Évidemment, pour les ordinateurs, c'est pas pareil. Eux, ils réduisent la chance vraiment beaucoup. Mais quoique, en ce moment, il y a le championnat du monde des ordinateurs, et c'est fascinant parce qu'il y a aussi des coups de chance quoi. J'étais sur le chat hier, je suivais la partie entre Stockfish et Gingo. Et bon, à un moment, Gingo fait une erreur incroyable vers le 20e coup et il se fait raser. Et il perd la partie. Et les mecs sur le chat étaient là, oh là là, quel coup de chance de Stockfish, qui était un peu à la rue au classement à ce moment-là, qui a permis de remonter. Coup de chance de l'ordinateur, l'autre ordi a fait une boulette, c'est incroyable de faire une boulette à ce niveau, etc. Voilà. Et même les ordinateurs, vous imaginez, donc les humains, je vous dis pas quoi, avec toutes nos imperfections, tout notre côté aléatoire, tout notre côté où on maîtrise pas les éléments quoi, on est humain, on subit tout un tas de facteurs et d'éléments, donc forcément voilà. Comprendre les statistiques, voilà, par rapport au niveau des joueurs. Même un joueur qui a 500 points de moins, il va en gagner une sur 100. D'accord? Donc, si à un moment il gagne, au lieu de vous dire, oh là là, c'est un normal machin, bah peut-être que vous êtes tombé sur la partie sur 100 où le mec a gagné. Voilà. Bon, après, s'il gagne 5 fois de suite, il a 500 points de moins, il gagne 5 fois de suite contre des mecs 500 points de plus, bon, là, ça commence à être suspect. Mais aussi, il faut voir les classements. Les classements sur Internet, vous savez bien que c'est pas très fiable. Donc, faut arrêter de dire ah oui, mais le mec a 500 points de plus. Attends, peut-être que le mec il vient d'arriver, son classement n'est pas encore fiable, il vaut 300 points de plus. Enfin, voilà. Donc, relativiser, prendre du recul, tranquillement, au lieu de s'enflammer. Je sais qu'on aime bien, on est une société, on aime bien s'enflammer, on aime bien un truc sort, ah c'est le buzz, ta ta ta. Un mec est présumé coupable, oh il est coupable, ta ta ta. Attends. Prends ton temps. Regarde les choses. En plus, c'est ça les échecs. C'est analyser quand même l'ensemble des éléments, essayer d'avoir une vision objective sur les différents éléments qu'on peut observer, qu'on peut analyser. Pas se dire ah oh, d'un coup. Oh, ouais, bah, ouais, bah, d'accord. Bah, les joueurs qui font oh, comme ça, bon, ils perdent vite les parties. Hein. Oh, je gagne la dame. Oh non, je me suis fait mater. Bon, ok. Regarde un peu, regarde le jeu. Observe tranquillement, c'est ça, c'est un peu de patience, quoi. Bon, on comprend l'analyse du module, voilà, donc sur des sites, sur la plupart des sites, maintenant, vous pouvez analyser avec le module. Bon, bah déjà, la première chose que vous devriez faire, si vous avez une partie suspecte, vous prenez la partie, vous l'analysez avec le module, vous regardez. Et là, vous allez voir sans doute à des moments des gaffes du mec, des erreurs, que peut-être il était perdant à des moments. Si vous regardez même pas ça, vous ne savez même pas, et donc vous parlez sans savoir, ça va pas. Donc, par exemple, il y a l'analyse de Lichess aussi. Mais même l'analyse de Lichess, c'est pour ça que j'ai mis comprendre l'analyse du module. Si vous voyez, je sais pas moi, bah justement, il y avait un cas comme ça où on se disait, ok, le mec a fait la partie parfaite, il a sur Lichess analyse zéro imprécision, zéro gaffe, zéro erreur. Donc le gars a triché forcément. Attends, mais déjà, regarde combien de coups fait la partie. Si ça se trouve, elle fait 25 coups. Et la partie était assez facile à jouer, il avait que des coups assez évidents à jouer, enfin des coups que un joueur assez lambda, entraîné un peu aux échecs, aurait trouvé sans trop de difficultés. Et donc forcément, il n'avait pas eu l'occasion de faire des gaffes, des erreurs, voilà.
Donc déjà, premièrement. Ensuite, c'est ce que j'ai dit sur la réussite. C'est-à-dire que, par exemple, on peut voir analyse de Lichess, allez, deux imprécisions, zéro erreur, machin, et zéro gaffe. Oh là là, le gars a joué comme un grand maître. Attends, attends. Déjà, au coup numéro 44, il a joué tour à 3 et il n'avait pas vu qu'il y avait cavalier à 5. Je donne un exemple, n'importe quoi. Et en fait, ça marchait quand même le coup tour à 3 et sinon c'était complètement perdant. Donc il a eu un gros coup de chance parce qu'il n'avait pas vu le coup et ça marchait quand même. Donc résultat de l'analyse Lichess, bah, zéro erreur. Tu vois. En fait, c'était une grosse erreur. Ça, la vérité. Parce que le gars n'avait pas vu la réponse et il a eu de la chance que ça marche quand même. Voilà, donc ça, faut compter comme une erreur. Évidemment, ça, vous ne le voyez pas dans l'analyse Lichess. Et bon, c'est pareil. Le joueur joue un coup qui gagne pour une raison totalement autre que pourquoi ça va gagner. Bon, ben, un gros coup de chance, ça peut être compté comme une erreur. Le joueur qui veut progresser dans la durée, il va pas se dire juste est-ce que mon coup était une erreur ou pas. Il va essayer de comprendre les choses comme ça. Il va pas regarder juste l'analyse Lichess. Il va se dire ok, là j'ai joué ça, mais franchement, j'avais pas pensé à ça, donc j'ai mal joué. Et donc la prochaine fois, je voudrais m'améliorer et jouer mieux. Voilà, ça c'est analyser ses parties correctement, essayer de comprendre mieux ce qui se passe. Tout simplement essayer de comprendre. C'est comme ça que vous allez progresser vous aussi, en essayant de comprendre les choses. Pas juste croire que. Aux échecs, si on croit que, bon, bah, on est foutu, quoi. On comprend rien. Et finalement, comprendre le contenu d'une partie. Voilà, donc, bah, pareil que j'ai dit tout à l'heure. Donc, à l'intérieur d'une partie, il peut se passer plein de choses différentes. Et donc, faut pas juste juger sur est-ce qu'il l'a gagné ou pas gagné, quoi. Allez, on continue. Oups. Voilà. Et dernier stop. Dernier stop et non des moindres, stop à la nuisance, quoi. Donc bah déjà avoir la suspicion, suspecter ben si c'est à tort, bah c'est une nuisance assez forte. C'est comme la joueuse au championnat d'Europe, franchement, tu m'étonnes qu'elle a pas pu continuer à bien jouer son championnat d'Europe. T'as 15 joueuses qui viennent te dire que tu triches alors que tu triches pas. Laisse imaginer le truc, quoi. Donc bon, présomption d'innocence, ça fait pas de mal, quoi. Tu peux te poser des questions, tu peux poser des questions dans les commentaires, tu peux dire ça m'a l'air bizarre parce que, mais aussi des arguments, quoi. Des vrais arguments, pas je trouve que, juste tu trouves que, et tu te bases sur quoi. Vas-y, explique. C'est quoi tes éléments pour penser que. Donc c'est pareil, si les gens ils vous présentent des trucs sans arguments, soyez sceptiques, quoi. Ils vous disent le mec triche. Ouais, le mec triche, ok, pourquoi tu dis ça, quoi. Bon, alors après, il y a deux types de nuisances différentes. En plus de la suspicion. Bon, mais souvent, c'est suspicion. Et t'as la nuisance gratuite et polluante. Bon, alors celle-ci, je sais pas si on peut faire quelque chose. Hein. Bon, les mecs viennent juste pour polluer, viennent pour polluer volontairement. Alors, je sais même pas s'ils s'en rendent compte. Il y en a sans doute, c'est volontaire. Voilà, bon, c'est juste pour polluer. Bon, ben, je sais pas, que dire. Demandez-vous si le but de votre vie, c'est d'être polluant. Est-ce que c'est ça votre but, d'être un polluant? Bon, ben, peut-être c'est ça votre but, hein, je ne sais pas. Mais posez-vous quand même la vraie question. Je sais pas, travailler sur cette question. Et peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, aller faire autre chose. Si votre but, c'est d'être polluant dans les échecs, peut-être vous devriez aller dans un autre domaine où vous feriez plus plaisir et où vous ne seriez pas polluant. Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas trop quoi faire contre cette nuisance gratuite. J'ai juste envie de dire... travailler sur vous, bon, je ne sais pas. Ok, la nuisance par incompréhension. Ça, c'est déjà plus compréhensible, c'est-à-dire que tu ne comprends pas, donc tu écris n'importe quoi, parce que tu ne comprends pas. Bon, mais moi, si je commence l'astronomie, j'apprends deux, trois trucs, l'astronomie par exemple, ou n'importe quel domaine que je ne connais pas, les mathématiques, la cuisine, n'importe. Allez, je commence l'astronomie. J'apprends quelques trucs en astronomie pendant 2-3 semaines. Là, là. Bon, j'arrive sur une chaîne YouTube, par exemple, d'astronomie, et je commence à dire « Ah, le mec dit n'importe quoi, j'ai pas vu ça, moi, je suis pas d'accord, tata. » Attends, mais j'y connais rien, pourquoi je vais parler comme ça? Pourquoi je vais dire que... Pourquoi je vais présumer que... Pourquoi je vais suspecter, enfin... J'y connais rien! Je vais rien dire, je vais me taire, je vais écouter, je vais apprendre. Et juste après, je vous ai mis dans la liste communiquer et comprendre. Donc communiquer. Votre but, si vous ne comprenez pas, c'est de comprendre, je pense, j'espère. Et donc,
Bah, posez des questions, tout simplement. Et c'est ça la communauté. Les gens vont vous répondre. Peut-être celui qui a la chaîne va vous répondre souvent. Celui qui a la chaîne peut vous répondre des choses intéressantes. Posez la question. Dites ça, je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez expliquer? Tatata. Il n'y a aucune honte à ne pas comprendre. C'est normal, je veux dire. Moi, j'arrive sur la chaîne d'astronomie. Bon, bah, je comprends rien, c'est normal. Si je pose une question, j'espère qu'il y a des mecs qui vont m'expliquer, quoi. Sinon, je vais rester tout le temps au même niveau, très bas en astronomie. Voilà. Bon, bah, j'espère que si je pose des questions pour mieux comprendre, les gens vont me répondre. Voilà, n'hésitez pas. En plus, on le voit quand même dans la communauté des joueurs d'échecs. Les gens se répondent quand même, ils se donnent des coups de main. Alors, voilà, n'hésitez pas à poser des questions écouter ce que les gens vous disent. Alors, pareil. Vous posez une question et il y a un idiot qui ne connaît pas les échecs qui vous répond. Bon, bah méfiez-vous, demandez-vous qui vous répond déjà, et ne croyez pas forcément ce qu'on vous dit. Mais bon, si c'est quelqu'un de sérieux qui gravite dans le milieu depuis longtemps, même si c'est la personne qui fait la chaîne qui vous répond, normalement on ne va pas vous raconter des bêtises. Voilà. Bon, mais posez-vous juste la question, qui c'est qui parle? Est-ce que je peux lui faire confiance? Voilà. Mais bon, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont dans les commentaires, qui connaissent très bien. Les échecs qui peuvent vous dire des choses intéressantes. Voilà, donc bon. Déjà, communiquer, c'est ça, c'est ok, je crois que, mais je ne peux pas en être sûr parce que je ne connais pas assez bien les échecs, alors je vais poser la question. On va me répondre, je vais progresser. Chacun progresse. Voilà. Bon, et donc à la fin, j'ai mis à vous de contrer le négatif. Voilà, alors là, c'est appel à la communauté finalement silencieuse, puisqu'on voit beaucoup les commentaires négatifs, et on voit pas beaucoup bah, de contre à ça, quoi. Donc aussi ça dépend, voilà, plus il y a de monde et plus il va y avoir du monde qui va contrer les commentaires négatifs. Donc on le voit quand il y a plus de monde, mais il y a plus de négatifs, mais il y a aussi plus de positifs. Donc bah, c'est à vous tout simplement, ceux qui connaissent les échecs. Si vous voyez quelqu'un qui dit une bêtise dans les commentaires, bah, n'hésitez pas, voilà, vous prenez votre clavier, ça vous prend pas très longtemps. Vous répondez, vous dites non, ça c'est pas vrai, voilà la vérité. Voilà, par exemple. Ou vous mettez des pouces négatifs. Pour un commentaire négatif, comme ça il descend dans la liste, ou je ne sais pas, des choses comme ça. Ou alors vous signalez des commentaires si vous pensez que c'est incorrect, insultant, voilà. Vous signalez au site, comme ça, ça fait le ménage en même temps, voilà. Donc c'est la communauté hein, qui peut s'auto aussi modérer, s'auto-répondre. Allez, donc dernier point pour ces commentaires sur ces petites questions. Ces grandes questions. Donc, attitude et esprit positif. Voilà. Donc, tous ces commentaires négatifs tirent vers le bas, en fait. Ça nuit à tout le monde, ça ne profite à personne, à part peut-être ceux qui les postent, qui évacuent une frustration, je ne sais pas. Mais dans ce cas-là, vraiment, je vous invite à trouver d'autres façons pour évacuer votre frustration, parce que ça, c'est pas une façon positive. Vous tirez plein de personnes vers le bas, donc je ne sais pas si c'est à votre but dans l'existence, tirer d'autres personnes vers le bas. Ok, il y en a, ils sont comme ça, mais ils ne s'en rendent pas compte. Donc, travaillez sur vous, je ne sais pas. Donc voilà, bon nous on reçoit quand même assez d'informations à tendance négative et pessimiste dans les journaux d'information, les news, voilà, dans le monde entier, etc. Pour pas en plus se prendre des trucs négatifs dans nos chaînes de divertissement, de loisirs. Donc là, on fait quand même tout ça pour passer des bons moments. Je l'ai mis dans le deuxième point. Donc pour ça, on espère que tout le monde mette du sien pour apporter des choses positives, dans un esprit positif, constructif. Voilà, et donc, bah, s'il y en a qui sont pas dans cet esprit, ben, les signaler, leur répondre déjà, parce que peut-être qu'à bout d'un moment, ils vont comprendre certaines choses. Et puis donc, on est là pour partager une passion commune. Voilà, j'avais utilisé le mot passion aussi au départ en parlant de Blitzstream et Chessémi. Donc on est là pour passer des bons moments, mais pas pour passer des mauvais moments. Et donc si tout le monde essaye d'apporter comme ça une attitude positive, constructive, un bon esprit, bon état d'esprit, tout le monde en profite. Et ça tire tout le monde vers le haut, ça fait une émulation positive. Tout le monde peut progresser grâce à ça. Et donc j'ai mis à la fin, voilà, j'ai retrouvé ce mot de progression, de recherche de progression individuelle et collective. Voilà. Je pense que c'est important d'essayer d'être dans cet état d'esprit. On le retrouve sur plusieurs chaînes. Voilà, c'est l'état d'esprit qu'il faut essayer de cultiver. Voilà, donc par exemple, je vais en livrer quelque chose
de positif, un bon état d'esprit, j'ai découvert tout à l'heure le nouveau format du grand maître Igor Nataf sur sa chaîne. Il a fait des parties commentées avec questions. Voilà, format que j'ai moi-même fait de temps en temps, sans l'appeler comme ça, hein, mais des parties commentées avec des questions. Voilà, Blitzstream aussi le fait souvent, d'autres youtubeurs. Voilà, mais c'est très très bien parce qu'il fait par exemple une présentation des joueurs avant la partie. Puis il présente la partie, il explique, voilà, il prend le temps. Et vous avez des questions, comme vous l'avez d'autres endroits aussi. Voilà, mais il a sélectionné les questions, il vous les affiche à l'écran. Vous pouvez mettre la pause pour chercher, tatata. Et ensuite la réponse, voilà. Donc très beau format, voilà. Donc quand quelque chose de positif est fait, bah, il faut le dire. Voilà, donc ce qui serait bien aussi, c'est que voilà, de plus en plus, au lieu de critiquer des choses, au lieu de mettre des lumières sur des choses négatives, de dire ça c'est mal, ça c'est mal, ça c'est mal, on laisse tomber ce qui est mal, on dit ce qui est bien. Voilà. Donc ça c'est bien, voilà, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ok. Et tout le monde va piocher dans les trucs bien. Les trucs mauvais, bon bah on n'en parle pas, ils passent à l'as à la limite. Voilà, justement, si on n'en parle pas, on fait pas la pub des trucs mauvais à la limite, voilà. Bon, et eh bien voilà, alors maintenant un petit peu ce qui viendra sur la chaîne, on arrive à la conclusion de cette vidéo, ça va 35 minutes, j'ai pas non plus débordé sur un truc incroyablement long. Bon, j'imagine que j'aurais pu faire plus court, mais c'est difficile de maîtriser le temps. Donc simplement pour conclure cette vidéo, ce qui viendra sur cette chaîne, donc bah, des lives, de commencer par dimanche soir, demain soir, live habituel sur le coup de 20h, 21h. Le championnat du monde des ordinateurs qui fait rage, puisque c'est Komodo qui a remporté la première phase, hein, devant Stockfish. Et alors à la deuxième phase, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, eh bien Stockfish était décroché. Bon, je crois qu'il est en train de revenir légèrement, mais il était bien décroché par rapport à Komodo et Houdini notamment. Et alors je vous montrerai des parties parce que j'en ai encore vu avec des coups fabuleux. Donc très bientôt ça va revenir sur la chaîne, les parties d'ordinateur. Je vous l'avais promis, ça va arriver. Bah, je posterai aussi la partie que j'ai jouée contre Chessemi. Je sais qu'il l'a retirée, je ne sais pas s'il va la remettre ou pas. Moi en tout cas je la posterai prochainement, voilà, avec l'analyse qu'on a faite ensemble après la partie, qui explique très bien les différentes choses qui se sont passées dans cette partie et dans nos réflexions réciproques. Les parties d'amateurs, bien sûr, seront de retour. Il y en a une qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Les déclinaisons tactiques, j'essaierai d'en refaire. Et puis aussi, j'aimerais bien bientôt vous représenter des finales. Hein. Vous avez la finale, par exemple, le Matfou et Cavalier sur cette chaîne. Vous y avez des finales aussi. Il y a une playlist, hein, je crois, de finales. Donc, n'hésitez pas à aller la consulter. Il y a une playlist aussi parties d'amateurs. Et puis, j'ai créé une playlist championnat du monde des ordinateurs. Mais il faut juste que je la rajoute, je crois, sur la page de la chaîne. Voilà. Et puis plein d'autres choses, je l'espère, qui viendront, peut-être des nouvelles idées. N'hésitez pas à suggérer des idées, des formats. Voilà. Et alors, on termine avec une petite photo. Une petite photo pour la toute fin de cette vidéo. Donc, vous avez deux joueurs ici. Alors, petit mini-quiz, hein, mini-quiz, qui sont ces joueurs? Donc bon, je pense quand même que vous avez plus de facilité à reconnaître celui qui est sur l'ordinateur au centre. C'est un joueur quand même assez connu du milieu des échecs. Et alors la question est, mais qui est cette personne sur la droite? Est-ce un passant? Est-ce le garde du corps? La question est ouverte à vos pronostics par rapport à cette petite question amusante sur cette photo. Voilà pour cette vidéo. Donc, j'espère impulser un esprit positif pour contrer un peu ces différentes tendances négatives. Donc, je vous invite à faire la même chose. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez, à laisser un like sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Salut, salut !